Bonjour à tous les Talkers et bienvenue pour cette troisième crème liftée de Montréal et Toronto qui va donc revenir sur cette nouvelle journée de compétition au Canada. On voit ça tout de suite après le jingle. N'hésitez pas avant tout à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous aide évidemment à progresser de manière qualitative. On vous en sera, comme d'habitude, très reconnaissant. Moi, c'est Greg. Je suis donc là pour vous parler de la troisième journée du Masters 1000 canadien, que ce soit chez les hommes où ça se joue à Montréal ou chez les femmes à Toronto. On va d'ailleurs commencer par ces dames en entrée puisque j'avais envie de vous parler de Cory Gauff qui s'est imposée hier au terme d'un splendide combat face à Elena Rybakina qui donc a gagné Wimbledon, qui n'a pas forcément progressé au classement puisqu'on le sait, les points étaient gelés. Et donc Cory Gauff, elle s'est imposée au terme d'un match titanesque de près de 3 heures contre la Russe. Voilà, dans une rencontre où elle avait les cartes en main, hein, Cory Gauff. Hein, elle mène 6-3 dans le tie-break du deuxième après avoir pris la première manche. Elle a 3 balles de match. Au final, elle ne les fait pas. Et elle va quand même finir par s'imposer 70 minutes plus tard au terme d'un tie-break du troisième set à couper le souffle. Voilà, c'était un match sans forcément rentrer pleinement dans l'analyse tactique, qui a été vraiment un gros combat du fond du court, et Cory Gauff a réussi à prendre l'ascendant dans les points importants en touchant les lignes, notamment grâce à son revers. Voilà, je trouve que c'était quand même assez intéressant parce que j'ai pu regarder plusieurs de ses matchs ces derniers temps et je trouve que c'est vraiment quelque chose sur lequel elle a progressé. Elle colle beaucoup plus à sa ligne, elle est capable de vraiment bien plus tenir les échanges qu'avant, elle craque beaucoup moins, elle arrose beaucoup moins. Le seul petit bémol quand même, ça reste son nombre très élevé de double faute puisqu'elle a fait hier 13 double faute, ce qui est énorme. Pareil, ça lui avait coûté hein, son match contre Paula Badoza la semaine dernière du côté de San Jose, où sur les points importants elle avait vraiment failli de ce côté là donc une deuxième balle est plus globalement un service qui reste vraiment encore à perfectionner si elle veut franchir un cap. Mais en tout cas, dans l'échange, Cory Gauff, pour son âge, on rappelle qu'elle n'a que 18 ans et qu'elle vient d'intégrer le top 10, c'est en tout cas très solide. On peut éventuellement faire un parallèle aussi avec ses déclarations qu'elle avait eues à l'égard de Serena Williams lorsqu'on a appris la retraite il y a quelques heures et quelques jours de l'ex numéro 1 mondial lors d'une interview qu'elle a accordée au magazine Vogue, où elle avouait vouloir vraiment jouer Serena Williams avant qu'elle se retire, donc il lui reste que Cincinnati et l'US Open, mais aussi qu'elle avait contribué en tout cas à lui donner envie de persévérer dans cette voie, que c'était la première femme noire à avoir dominé le tennis, en tout cas que c'était la première que Cory Gauff avait vu dominer le tennis mondial, et que du coup ça lui avait donné des idées et surtout la motivation de pouvoir y arriver. Serena Williams qui d'ailleurs a perdu face à Belinda Bencic, hein, elle avait gagné son premier tour, ça a été un peu plus compliqué par la suite contre la Suissesse, championne olympique, qui grâce notamment à une très bonne qualité de frappe en revers a débordé l'américaine qui, voilà, physiquement on sait ça commence à devenir compliqué, mais qui a donc fait ses adieux à Toronto et au Canada hier, hein, elle qui jouera à Cincinnati, probablement l'US Open, pour qui sera son dernier tournoi. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que l'organisation de l'US Open a dit que la vente de billets hier, après l'annonce de la retraite prochaine de Serena Williams, avait été multipliée par 8 par rapport à d'habitude. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit événement, qui, même un gros événement évidemment, qui s'apprête à intervenir sur la planète tennis. En plat maintenant, on va passer à la surprise du jour chez les messieurs, même s'il y en a eu beaucoup. C'est vrai, il y a eu Stefanos Tsitsipas qui a perdu contre Jack Draper, il y a eu Dan Evans qui a battu André Rublev, il y a eu bien évidemment eu la victoire de Nick Kyrgios contre Medvedev. On va pas forcément beaucoup en parler aujourd'hui parce qu'on en a parlé hier en preview de cette rencontre et on va sans doute reparler de Nick Kyrgios à la fin de la semaine, mais du coup on va s'attarder sur Carlos Alcaraz, dont on ne parlera plus à l'occasion de cette semaine canadienne, puisque l'Espagnol s'est incliné en 3 manches face à Tommy Paul, alors qu'il avait là aussi la rencontre en main. Il menait 1-7-0 et 4-1, et ensuite il a commencé vraiment à arroser, notamment côté coup droit, où il a fait énormément de fautes, hein, que ce soit dans la fin du deuxième ou dans le début du troisième. Hein, je pense à cette balle à 30A dès le premier jeu qui peut lui offrir balle de break, qui est limite un penalty, qui rate. Il y a aussi à 4-2, il mène 15-30 sur le service de Tommy Paul pour débreaker. Il fait une énorme faute en coup droit. Voilà, globalement ça a contribué à la chute de Carlos Alcaraz qui, malgré une double faute à 4 partout dans le tie-break du deuxième set, était parvenu à s'octroyer une balle de match, une balle de match qui a été sauvée par un service gagnant de Tommy Paul. Voilà, l'Américain qui a été très solide, hein, notamment sur les points importants et en décalage coup droit sur le coup droit d'Alcaraz, donc en ligne il a aussi été très percutant sur ce plan et ce système de jeu là qui a fait beaucoup de mal à Alcaraz. Alcaraz, globalement, comment analyser les raisons de cet échec et plus globalement de ces deux finales perdues précédemment, dont la dernière en date à Umag contre Yannick Sinner? Je pense que, pour résumer, Carlos Alcaraz, déjà j'ai été très surpris hier du fait qu'il n'ait pas beaucoup recours à l'amorti sur les points importants, même si on l'a vu, c'est vrai que sur les quelques tentatives qu'il a eu et qu'il a choisi de faire lors de cette rencontre, il a été très peu en réussite face à Tommy Paul. On sait que d'habitude c'est un de ses arguments
phare hein, pour varier et se sortir de situations qui étaient très compliquées. Donc si je devais analyser peut-être trois bémols au jeu et à la forme récente d'Alcaraz, effectivement hier il a complètement arrosé en coup droit, c'était extrêmement rare de le voir comme ça. Il y a sa seconde balle qui reste encore extrêmement faiblard, j'ai envie de dire, pour un joueur de son standing qui, on le rappelle, est quatrième mondial. Et donc il y a ce recours à l'amorti qui hier voilà, a carrément expliqué sa chute parce que, encore une fois, c'est pas une arme sur laquelle il a pu s'appuyer. Et Dieu sait, notamment lors de son titre à Miami, son seul titre en Masters 1000 sur dur pour l'instant, que cette arme voilà, lui avait permis en tout cas de déstabiliser plus d'un adversaire. Et il y a aussi un truc sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est sa dimension physique. Parce que c'est vrai que Carlos Alcaraz, un peu comme Rafael Nadal à ses débuts, on a envie de dire, il jouait énormément. Voilà, il a joué à Umag, il a joué à Hambourg, il a joué là à Toronto, à Montréal, pardon, en vraiment switchant de surface en, ouais, d'une semaine à l'autre limite. Et on a l'impression quand même, alors je sais pas si c'est lié au fait que bah, du coup, la faiblesse de sa deuxième balle le contraint à jouer énormément de rallyes. Je sais pas si c'est le fait qu'il a enchaîné. On a vu notamment contre Yannick Sinner à Umag qu'il a fini par exploser complètement physiquement voilà, lors de sa finale en prenant 1-1 lors des deux derniers sets. Je ne sais pas quel est le problème physiquement pour Carlos Alcaraz. Il va falloir se poser les bonnes questions pour en tout cas aménager son calendrier, pouvoir disputer des matchs plus courts et avoir peut-être plus de jus dans une fin de troisième set ou dans des moments clés comme ça pour pouvoir faire les différences et passer ce genre de tour où, voilà, contrairement à Rafael Nadal et Novak Djokovic, bah, il a la possibilité quand même de se faire un corps accroché par des joueurs de la trempe de Tommy Paul. Tommy Paul qui, voilà. En tout cas, sa performance n'est pas du tout à minimiser, c'est pas ça que je suis en train de dire, parce qu'il est sur une série de 5 victoires lors de ses 8 derniers face-à-face, face à des membres du top 10. Et voilà, on sait en tout cas que c'est potentiellement un coupeur de tête, l'Américain, qui dispose d'un grand talent, mais dont les résultats ne suivent pas toujours. On va passer maintenant au dessert, puisque on a quand même un Français en huitième de finale de ce tournoi. Il y avait Benjamin Bonzi qui a perdu contre Francis Tiafoe, Manarino qui a battu Rinder Knecht et qui après, malgré la gain du premier set, a perdu face à Yannick Sinner. On a Gaël Monfils qui est revenu sur le terrain pour la première fois depuis sa défaite contre Djokovic à Madrid et qui passe les tours, qui a battu Pedro Martinez, qui a battu hier Maxime Cressy avec pas mal de réussite. Maxime Cressy qui a complètement caviardé notamment la fin du tie-break du premier set. Et donc Gaël Monfils qui s'apprête à défier Jack Draper, le britannique vainqueur, surprise, de Stefanos Tsitsipas qui a cumulé les fautes directes. Je crois qu'il a fini à 36 fautes directes, le grec. C'est une rencontre qui va, à mon avis, être assez équilibrée avec un Gaël Monfils. Voilà, on connaît le potentiel de Gaël Monfils, on sait qu'il a concrètement les armes dans la raquette, que ce soit par son service première, notamment côté coup droit, la possibilité de déstabiliser le britannique. Néanmoins, on n'a pas encore vraiment vu la Monf depuis son retour avoir une adversité de ce style, tout simplement. Alors il y a Maxime Cressy qui reste sur un titre à New York, hein, qui est vraiment une figure de proue et un joueur très dangereux à affronter, mais effectivement, Jack Draper, déjà il est gaucher, c'est pas forcément le même style, c'est un joueur qui va remettre énormément de balles, et à mon avis, qui, grâce à sa patte de gaucher, peut annihiler avec son revers, qui peut en tout cas être très rasant, ou sortir Gaël Monfils du court. En lui faisant faire l'essuie-glace, à mon avis, ça peut être compliqué pour Gaël avec sa dimension physique et son manque de rythme hein, qu'on a pu observer contre Pedro Martinez où il a fait un super premier set. Deuxième set, ça a été beaucoup moins bien. Et troisième set, il a réussi à s'accrocher en bénéficiant un peu des doubles fautes quand même de l'Espagnol. Mais j'attends de voir vraiment face à une opposition du fond du court aussi solide que celle de Jack Draper ce que ça peut donner. En tout cas, pour Gaël, mon fils, ce sera pas simple. L'un des autres matchs qu'on suivra la nuit prochaine aussi, c'est Cameron Norrie face à Félix Auger-Aliassime. Cameron Norrie, on le sait, toujours très solide avec sa patte de gaucher lui aussi. Et Félix Auger-Aliassime qui s'est sorti un super match contre Nishioka cette nuit avec des passings de revers à gogo, voilà, très solide en revers hein. J'ai aussi souvenir d'un coup gagnant le long de la ligne en fin de match qui voilà vraiment me fait dire que ce match sent la poudre. Alors j'espère que il ne durera pas qu'une heure, on sait jamais, parce qu'en pronostic, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est très performant chez Game Set & Talk depuis le début de l'année. Mais voilà, en tout cas, c'est une opposition de style que je suivrai avec attention, et on va avoir encore plein de matchs vraiment très sympas à suivre. Voilà, Gaël Monfils qu'on soutiendra, parce que c'est le dernier Français, hommes et femmes confondus, après la défaite d'Alizé Cornet face à Bianca Andreescu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette nuit à Montréal et ce que vous attendez des prochains jours, que ce soit donc à Montréal ou à Toronto. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle crème listée.